Et yo tout le monde, du coup, j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'obtiens le nouveau pack mensuel vie sur Fortnite avec les 1000 V-Bucks. Alors je vous explique rapidement, c'est le nouveau pack de Club Fortnite du mois de février. Si vous aviez le pack mensuel du mois de janvier de Haro que vous aviez payé 10€, vous obtenez comme moi le pack vie sans les V-Bucks. Donc si vous voulez les V-Bucks, il faudra tout simplement renouveler l'abonnement aujourd'hui. Voilà, tout simplement, vous renouvelez l'abonnement et vous recevrez les 1000 V-Bucks. Le skin, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas retiré. Mais si vous voulez les V-Bucks, il faudra tout simplement repayer l'abonnement. Et avant de passer à la présentation et découverte du pack, les gars, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Je vous mets le lien redirigeant vers ma chaîne secondaire, donc Bocconi Montage, que j'ai ouvert récemment. Tout simplement, puisque vous le savez, avec Icart, on est deux sur la chaîne. On a un code créateur et on aimerait en avoir un deuxième pour qu'on puisse tous les deux faire des parties personnalisées. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et merci à ceux qui le feront. Et également les gars, comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez voir le gameplay du skin vie avec sa variante, sa pioche, etc., je vous mettrai ça à la fin de l'outro. Donc dès qu'il y a l'outro, je vous mets tout simplement le gameplay sans commentaire, avec juste le bruit des pioches, comment le skin il se déplace, comment il rend. De toute façon, on peut le voir, il y a déjà des petits effets. Je pense que ça va vraiment être insane. Donc voilà, ceux qui veulent voir le gameplay du skin, n'hésitez pas à vous rendre à la fin de la vidéo tout simplement pour découvrir ça. Du coup les gars, on commence tout de suite avec le petit Club Fortnite récompense. L'abonnement à ses avantages: tenue légendaire, vie chasseuse, toujours chassée, jamais fait partie de l'ensemble traqueuse nomade. Donc ceux qui l'ont remarqué, c'est une nouvelle variante du skin nomade version féminin, et elle est ultra stylée. Elle a une variante, on découvrira ça directement dans le casier juste après. Donc là on peut le voir, voilà, petit skin violet blanc aux couleurs de nomade avec la petite écharpe. Elle est même plus stylée, je trouve, que nomade ou le dernier skin nomade féminin qu'on avait eu. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner une note sur 10 à ce skin dans les commentaires, comme d'habitude. Donc franchement, ultra stylé. On verra un petit peu plus en détail le skin dans le casier juste après. On a le petit carquois renardesque. Donc voilà, petit carquois rose avec une variante également. Puisque, comme je vous l'ai dit, le skin vit à une variante. Du coup, son sac a également une petite variante. Donc, petite flèche dans le dos avec le petit carquois qui est plutôt sympathique. La petite pioche griffe courbée. Alors, c'est dommage, on n'a pas de variante pour la pioche. Mais elle est franchement ultra stylée. Donc, simple et obéissante. Fait partie de l'ensemble traqueuse d'une mad. Pareil, donc franchement, elle est stylée de ouf. Et ensuite, petite nouveauté de ce pack Club Fortnite. On a un revêtement qui a été ajouté, donc variation nomade. Souvenez-vous, dans les derniers packs, on n'avait pas eu de revêtement, donc là, c'est vraiment une première. On n'avait pas non plus eu d'écran de chargement, ils nous ont mis un écran de chargement aussi plutôt stylé. Donc la poursuite de Kitsune, et franchement, l'écran de chargement, il est vraiment insane. Donc franchement, ça, c'est vraiment direct équipé. Et désormais, dès que vous prenez l'abonnement au club Fortnite, vous recevrez l'émote salut des initiés, qui est franchement ultra stylé, que vous pouvez faire avec vos potes. Alors il faut absolument prendre l'abonnement au club Fortnite si vous souhaitez obtenir l'émote. Ensuite du coup les gars, on se retrouve directement dans le casier pour découvrir d'un petit peu plus près ce pack de skins avec le sac, la pioche. Vous le savez, il y a des variantes, donc c'est ce qu'on va découvrir tout simplement ensemble. Donc on commence tout de suite avec le skin. On peut voir juste ici qu'on a modifié le style, donc on a un style supplémentaire. Donc le style par défaut, il est ultra stylé comme on l'avait vu tout à l'heure, donc en blanc, en rose, et franchement elle est hyper clean. Donc cette variante de nomade version féminin, elle est franchement mieux que la première. Et avec ce skin, on a également une variante arctique en bleu et blanc, et franchement elle est ultra stylée. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle variante de ce skin vous préférez. Donc si vous préférez la variante par défaut, donc en rose et blanc, spammez 1 dans les commentaires. Et si vous préférez la variante arctique, donc en bleu et blanc, n'hésitez pas à spammer 2 dans les commentaires pour que je puisse voir tout simplement quelle variante de skin plaît le plus à la communauté. Ensuite, on passe directement au sac à dos, donc le carquois renardesque. On avait vu qu'il avait également une petite variante. Donc le style par défaut pour le skin par défaut, donc en rose et blanc. Et on a le style arctique, donc franchement plutôt sympathique, avec petit effet de givre un petit peu ici. Donc on l'a pas sur le sac par défaut, il n'y a pas d'autres effets. Mais sur le petit sac arctique, on a les effets de givre qui sont rajoutés et qui se marient très bien, franchement, avec le skin, voilà. Donc, petite particule de givre avec la petite particule électrique. Franchement, le skin en version blanc, je pense que beaucoup l'auront deviné, c'est ma variante préférée. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'effet que la variante par défaut. Et que je trouve que le skin ressort mieux, tout simplement. Et enfin, pour terminer, il nous reste 3 objets à découvrir. Donc, la pioche griffe courbée,
qui est franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ultra stylé, qui change d'habitude avec la petite fourrure ici, en rose et noir, et le petit porte-clés loup juste ici. Alors c'est dommage, on n'a pas de style arctique avec cette pioche, donc on n'a pas de variante, ce qui est assez dommage vu qu'on a une variante pour le skin en rose et bleu, et là on a la pioche uniquement en rose, donc c'est un petit peu dommage, mais peut-être que Epic Games l'ajoutera prochainement, dans le futur, etc., peut-être à une prochaine match, ce qui serait bien. On a le petit revêtement variation nomade qui rend ultra bien sur les armes. On peut voir qu'il y a un petit effet animé d'éclair juste là. Donc c'est vraiment très léger, mais ça rend vraiment très très bien. Et enfin, on termine avec le petit écran de chargement qui est offert, donc la poursuite de Kitsune, qui est franchement ultra stylé. Sur ce les gars, comme d'habitude, je vous mets le gameplay du skin et de ses variantes à la fin de cet outro, donc sans commentaire. N'hésitez pas également, comme je vous ai dit, à me donner votre avis sur quelle variante de skin vous préférez, donc la variante en bleu ou la variante en rose. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine. Thank you.